par contre, on repousse le métal et à ce niveau-là, là ça fait, c'était un bourrelet, donc j'arrive pas à repousser le métal pour que ça aille vers l'extérieur. En réalité, il faut que je continue à repousser le métal sur l'intérieur avant de continuer ici, ce qu'on voit là. Et ça fait la, le flanc, parce que le flanc en fin de compte, il est tout bourrelet. Et comme il est au carré, c'est pas recommandable. Alors, il va falloir que je fasse des formes arrondies pour que le métal puisse partir de lui-même, qu'il prenne sa forme. Alors je vais être obligé de récupérer les bords pour faire quelque chose d'arrondi. Voilà. Refoulée, engloutie, elle est beaucoup plus rigide et dont les fruits on l'a chauffé. Alors surtout quand on travaille le métal, il faut avoir les formes appropriées, c'est-à-dire les bigornes, les teintes appropriées. Ça empêche la formation du cercle, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit trop prononcé. Il faut que ce soit plus prononcé. Et cela, c'est épaulé. C'est en fin de compte, c'est pas assez courbé. Là, c'est beaucoup plus pour aider le métal à se former. Alors après, il faut y aller en passe successive. C'est déjà un bord tombé, un bord à l'anglais, c'est mettre soit un fil de fer dedans pour éviter l'écrasement, que ça soit beaucoup plus régulier, ou alors on n'en met pas, c'est comme on veut.